aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on ne va ni se maquiller, ni faire un vlog, ni tout le bordel, hein, parce que aujourd'hui, toujours mon chien qui est bien embêté au moment où je filme. Tu sors de là, merci. Donc aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Ou pas, ça dépendra de vous. Aujourd'hui, c'est le concours, le deuxième de la chaîne. Donc j'en avais fait un il y a 6 mois, et là on se retrouve en ce début d'année pour avoir un deuxième petit concours. Pour vous féliciter d'être abonné à ma chaîne. En vrai, vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous avez envie de gagner un concours, c'est vous qui voyez. Mais moi, on va dire que voilà, j'aime bien être gâtée et j'aime bien gâter les autres. J'ai envie que ce soit quelque chose d'assez récurrent sur ma chaîne pour que on puisse, comment dire, partager ce bonheur qui est d'avoir un petit cadeau. Donc je vais vous montrer le lot du jour, évidemment, et je vais vous montrer les swatchs de la palette qui est le plus important à mes yeux, même si tous les produits sont bien. J'ai fait un lot un petit peu plus gros que la première fois parce que bah ça fait plus longtemps que maintenant je fais des vidéos et j'ai pu avoir plus de produits, tout simplement, que j'ai acheté moi-même, hein, je le précise. Donc je vais vous montrer tout ça, et puis c'est parti. Donc pour commencer, je vais vous montrer les petits produits qui sont à gagner, et je vous montrerai la palette en dernier, vu que je l'ai aussi pour moi, comme ça je pourrai vous faire le swatch avec la palette que j'ai moi. Donc il y aura déjà à gagner des produits skincare. Skincare, si vous savez pas ce que c'est tout simplement des produits pour prendre soin de sa peau, et je vous ai mis mes préférés. Voilà, faut savoir que tous les produits que j'ai là, je les ai trouvés sur le site de Beauty Bay, donc vous pouvez facilement les retrouver si jamais après ils vous plaisent et que vous voulez les racheter, hein, voilà, faites ce que vous voulez. Mais moi c'est mes produits que j'adore, que j'ai aussi. Pour commencer, vous avez un petit sérum, c'est le sérum Hydrating Sérum à l'acide hyaluronique et au glycogène, donc qui est tout simplement, l'acide hyaluronique, si vous connaissez pas, c'est tout simplement ce qui va conserver l'eau qu'on a dans notre peau et du coup ce qui va garder notre peau hydratée. Je vais vous montrer le pot quand même, le tube, donc moi j'ai fini le mien, donc on va les fermer. Vous voyez, c'est un petit tube comme ça, donc tout simplement avec une pipette, et à l'intérieur vous avez le sérum et vous l'appliquez matin et soir, ou matin ou soir, c'est comme vous voulez, et ça va vraiment réhydrater votre peau. Donc c'est bon pour tous les types de peau, que ce soit une peau grasse, une peau mixte, une peau sèche. En fait, l'acide hyaluronique, c'est hyper bon pour toutes les peaux parce qu'on a tous besoin d'avoir une peau hydratée. Même si on a la peau grasse et qu'on fait de l'huile, on a quand même besoin d'eau. T'as compris? Donc voilà, donc ça c'est un petit sérum que je vous mets dans le lot. Ensuite, vous avez une crème de chez Beauty Bay toujours, donc la Rich Moisturizer. Donc ça c'est pour les peaux normales à sèche. Donc voilà, moi je l'utilise en crème de nuit, donc je l'ai là. Donc en fait c'est à l'avoine, et franchement j'adore cette crème. C'est une crème hyper... elle est hyper riche, j'adore l'odeur, ça sent vraiment les flocons d'avoine. Je trouve que c'est une texture assez, assez riche, donc pourquoi pas l'utiliser le soir comme moi, pour la nuit. Si vous avez la peau vraiment sèche, vous pouvez même l'utiliser la journée. Voilà, donc il y a aussi cette crème-là à gagner. Ensuite, on passe au make-up. Je vais commencer par les produits teints. Donc pour les produits teints, on va avoir un petit blush à gagner. Donc c'est le blush Alice in Wonderland. Donc en fait, vous savez, c'est une collection qu'ils ont sortie chez Beauty Bay, où il y avait plusieurs blushs. Donc c'est des blushs à doux bambou. Il y a un côté mat, un côté irisé, que vous pouvez utiliser aussi sur les lèvres. Donc je trouvais ça sympa parce qu'au moins je vous ai mis un petit peu de tout dans ce concours. Donc voilà, donc c'est un petit blush rose qui va à toutes les carnations aussi, qu'elles soient foncées ou claires, qu'elles soient médium. Voilà, j'ai vu plusieurs revues. C'est un produit qui est assez, qui est pas trop gras en fait, qui se tient quoi. Donc en fait vous pouvez le travailler facilement sur les joues. Donc voilà. Ensuite, pour rester sur des produits teints, on a aussi un petit highlighter. Donc je vous ai mis la teinte Beam, donc qui est la teinte clair doré, et du coup je trouve que ça peut aller à pas mal de carnations parce que le doré c'est quand même un sous-ton assez, assez chaud et assez foncé, et un peu plus foncé que si j'avais pris du rosé qui lui peut, sur une peau noire, peut faire un petit peu trop froid et un peu trop grisonnant. Donc du coup je trouve que ça pouvait aller à toutes les carnations, donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette teinte là pour vous. Est-ce que je peux vous la montrer sans abîmer trop le packaging? Attendez, je vais l'ouvrir, mais on va essayer de pas y toucher. Je n'ai pas abîmé, vous inquiétez pas. Donc ça, c'est pour vous aussi. Ensuite, on va passer aux produits lèvres et je finirai par la palette, tout simplement. Donc ça, c'est pareil, je vais pouvoir vous les swatcher parce que je les ai aussi. Donc je vous ai pris un petit kit comme ça de Matte Lipstick Quad Nude. Donc en fait, il y a 4 rouges à lèvres. Je vais vous montrer les teintes avec les miens. Donc on va commencer par la teinte la plus foncée, c'est la teinte Cola. Donc c'est les miens, ils ont déjà été utilisés. Hein. Voilà, donc il y a un brun chaud. Ensuite, vous avez la teinte Pinch. Voilà, qui est tout simplement un nude rosé. J'adore la texture, ils sont vraiment veloutés, ils s'appliquent super bien, ils sont hyper mat. Là c'est un rouge à lèvres Beauty Bay aussi que j'ai, mais c'est dans les berries, c'est pas les mêmes que je suis en train de vous montrer aujourd'hui. Donc là, la teinte Tea, donc qui est un nude plutôt pêche, voilà. Et vous avez la teinte Freckle,
qui lui est une teinte vraiment plus neutre, voilà. La tea est plus pêche, la flicker est plus neutre. Voilà, ces 4 petits rouges à lèvres aussi sont à gagner. Et enfin, on passe à la palette. Donc c'est la Equalizer palette de chez Simple Beauty. Donc c'est la volume 2, c'est celle que je préférais vous offrir parce que la volume 1 est très colorée. Et moi je voulais vous offrir quelque chose de plus accessible pour tout le monde, hein. Qu'on en fasse pour tout le monde encore une fois. J'ai essayé de faire pour tout le monde là. Même si des fois ça peut ne pas vous convenir, sachez que j'ai fait de mon mieux. Donc celle-ci c'est pour vous, donc moi je vais vous montrer la mienne. Donc vous voyez que la mienne elle a déjà des traces de doigts et tout ça. Donc elle se présente comme ceci. Donc il y a un miroir, hein. Et vous avez toutes ces teintes là. Et ce que j'aime bien sur cette palette, c'est qu'en fait vous avez une partie mate, donc là c'est que des mates, et vous avez la même, à peu près les mêmes teintes retranscrits en irisé, métallisé, de l'autre côté. Et au milieu, ça fait un mat, un métallisé, un mat, un métallisé, un mat, un métallisé. Et honnêtement, je me suis maquillée avec aujourd'hui, regardez-moi ça. C'était la première fois que j'utilisais, bah franchement, je suis très contente de vous avoir acheté cette palette parce qu'elle est magnifique. Elle est trop belle, j'adore. Je vais vous faire les swatchs tout de suite. On remonte la manche. Donc je vous mets ça en accéléré et je vous fais après un zoom de toutes les teintes parce que sinon on en a pour 3 heures. Hein. Je vais commencer par les mats, je vous ferai un zoom, je nettoierai et je ferai les irisés. Allez, c'est parti mon kiki. Donc voici pour les deux premières rangées qui sont mates, ces deux là. Donc vous voyez là c'est plutôt des teintes nude, des teintes chaudes, des teintes hyper accessibles en fait je trouve pour tout le monde. Mais en même temps vous voyez il y a des petits roses, des petits oranges un petit peu plus peps qui permettent de varier et faire des choses un petit peu plus travaillées. Vous voyez aujourd'hui enfin moi c'est quand même c'est des teintes nude mais je veux dire c'est par maquillage naturel, j'ai quand même réussi à faire un truc un petit peu plus... Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a moyen de s'amuser avec cette palette et il y a moyen de faire des choses hyper simples, hyper nude. Un blanc, un noir, il y a tout ce qu'il faut. J'enlève ça et je vous refais une autre. Maintenant je vais passer à ces deux colonnes là et je terminerai par cette colonne là. Wow. Je peux pas m'empêcher. Regardez-moi cette lumière, c'est incroyable. Ils sont crémeux, mais franchement c'était un bonheur à me maquiller avec. Ils n'ont pas été du tout difficiles à prendre au pinceau, au doigt, peu importe. Franchement ils sont vraiment trop trop beaux. Je fais la dernière rangée, donc c'est celle du milieu. Donc là on alterne entre un mat et un métallisé. Il est tellement lumineux qu'on le voit pas avec la lumière. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Je pense que j'ai tout dit. Je suis ravie de vous faire gagner cette palette. Vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette palette. Alors, sachez que tous les produits que je vous fais gagner sont vegan et cruelty free. Parce que si vous arrivez ici pour cette première vidéo pour vous, sachez qu'ici, on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. C'est le but de ma chaîne YouTube. Donc bon, si ça te plaît, tu peux t'abonner. Et de toute façon, il faut s'abonner pour gagner le lot. Donc, si tu veux tenter ta chance, faut t'abonner. Donc, comment ça va se passer ce petit concours? C'est très simple, hein, on va pas demander 36 000 trucs. J'ai deux comptes, j'ai un compte YouTube, un compte Instagram. Il faut être abonné aux deux. Est-ce que c'est compliqué? Non, c'est tout. Je vérifierai que vous êtes abonné aux deux. Vous me mettez bien en commentaire que vous participez, soit sur Instagram, soit sur YouTube. Peu importe, dans tous les cas, il faut que je puisse comptabiliser votre participation. Ensuite, je vérifierai lors du tirage au sort que vous êtes bien abonné à ma chaîne. Voilà, c'est très simple pour vérifier. Un screenshot, vous me l'envoyez, c'est vérifié. Voilà, donc après, dès que vous aurez gagné, vous me donnez un moyen de vous joindre. Et puis là, je vous demanderai votre adresse et je vous enverrai le lot, tout simplement. Donc, le concours est valable à partir d'aujourd'hui. Et puis, il sera disponible, je pense, juste... Alors, je vais mettre 15 jours. Comme ça, ça laisse la chance à plusieurs personnes de participer. Donc je vous mets tout dans la barre d'infos évidemment, les dates précises. Il y aura aussi également un post Instagram si vous êtes plus Instagram où je remettrai ce lot tout simplement à gagner. Et puis voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, vous pouvez me le dire en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous voulez aller voir les produits directement sur le site pour vous renseigner et voir un petit peu à quoi ils ressemblent sur le site, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Au revoir.
Thank you.